D'un côté, il y a celles qui ne supportent pas l'idée d'être refroidies dès le réveil, et qui aiment s'en mitoufler dans leur couette en étant toutes propres, toutes pures. De l'autre, il y a celles qui ont besoin d'un énorme coup de boost, dès le matin et qui y vont en courant. L'éternelle question du moment de la douche sévit depuis des années. Les débats vont rage et personne n'arrive à avoir le dernier mot. Jusqu'au moment où la science s'en est clairement mêlée en apportant une véritable réponse à l'interrogation « Vaut-il mieux se doucher le soir ou le matin ?» Eh bien, c'est le dermatologue new-yorkais Sam Ejabe qui s'est penché sur le sujet et qui affirme une bonne fois pour toutes qu'il vaut mieux se doucher. Le soir, on en entend déjà parmi vous qui jubilent, et d'autres qui râlent. Point pour la petite explication, il est très important et meilleur de laver votre corps, ainsi que votre visage, la nuit pour la santé de votre peau, notamment au printemps et en été. Le docteur Jabé explique que si vous êtes dehors toute la journée, et que vous transpirez, ou que vous faites du sport, vous devez automatiquement prendre une douche avant d'aller vous coucher, plus particulièrement au printemps en été, où vous pourriez être couverte d'allergènes comme le pollen. Le verdict est sans appel, privilégiez une petite virée nocturne dans votre salle de bain désormais. D'autant plus qu'il a été prouvé qu'une bonne douche peut vous aider à mieux dormir. En revanche, si vous êtes du genre à vous doucher matin et soir, on n'a strictement rien à redire.